Coucou tout le monde, c'est à qui tu parles? Je faisais un... Non, c'est nous qui faisons la tête, abruti. Casse-toi. Non, d'accord, je m'en vais, hein. Où nous étions où? On est en train de... Je vais vous résumer. Oh non, c'est moi qui fais le résumé. Non, c'est moi. D'accord. Je fais mon résumé. Oh merde, je sais pas comment parler. Ah oui, ce que je sais, c'est que là, ce que vous voyez, c'est le monde de Disney. Il y a des personnages qui a un rapport avec Disney, mais pas tout, malheureusement. Il n'y a pas de livre de la jungle. Enfin si, mais je sais pas, mais non, il n'y a pas de livre de la jungle, c'est un peu dommage. Il n'y a rien, enfin, il y en a quatre qu'on peut explorer. Cendrillon, chez Aladdin, chez Alice au Pays des Merveilles et chez Winnie l'ourson. Oui, je dis bien Winnie l'ourson. Ça vous va comme ça? Pour résumer l'histoire, se passe dans un garçon où on peut personnaliser et nous étions habités dans leur monde par une lettre. What the fuck? Et puis on débarque sur le village enchanté où on peut parler tous les gens, que ce soit Pat, Mickey, Minnie, Dago, Mickey. C'est ce que tu viens de dire. Oh ta gueule. Les autocollants, ce que vous voyez là, n'est pas n'importe laquelle. Il permet de débloquer des trucs comme par exemple les tenues sur les zones, sur les coffres. Pourquoi? À quoi tu joues? Ce genre de coffre. On peut changer de tenue en faisant cela. Voilà, ça c'est notre personnage. Vous pouvez mettre comme par exemple ce genre de tenue, ça, ou ça. Qui avait ça? Imbécile, ben. Bien encore. Oh, la carte comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et le jeu, et ben, c'est un jeu de... À qui tu parles? Je ne comprends pas. Je parle sur la vidéo pour que les gens puissent comprendre. Oh, je comprends pas. Laisse tomber, tu peux jamais te comprendre de toute façon. Ah, salut. Non, en fait, je me casse. Salut. La porte parle. La porte du poignet parle. Casse-toi. Rien. T'es nul. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il a? À mon avis, il se moque de vous. Sans dingue. Maintenant, je vais vous montrer la briquette. Quand vous choisissez une quête, il y a une panneau. Je vais prendre une d'exemple. Oh non, je voulais pas partir avec une tenue ridicule. Blablabla, on s'en fout, on peut passer. Bon, si je tiens un résumé, vous voyez, ça, c'est notre tenue de quête. Ridicule, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ah tiens. Ce coffre-là, ce que vous voyez, il permet de donner des bonus. Et oui, ce n'est pas seulement un jeu très gentil, et on peut battre les ennemis. Allez, tiens, prends ça! Je suis le roi de toute façon! Tiens, ce que vous voyez là, c'est une note. Et alors? Eh ben, ça te permet d'utiliser l'attaque ultime. Je vais vous montrer un exemple. Oh non! Pour ma farure et mes moustaches, je suis en retard! En retard! En retard pour faire l'amour? Quoi? Ah non! Non! Vous m'aurez pas, bande de crétins, tel que vous êtes. Je suis fort.
Sinon, je peux te conseiller d'abandonner. Non. Si. Non. Si. Qu'est-ce que tu fais, Clacol? Je vais voir à quoi ça ressemble si on abandonne. Ne touche pas. Et tu crois pouvoir m'en empêcher? Yeah. Je me demande à quoi ça me... Tu as quitté la quête? J'ai voulu juste savoir. Ok, vous savez quoi? Je me casse. C'est ça, casse-toi. De toute façon, tu es chauve. Oh, ma pénis. Regarde, regarde, il joue. Oh. Ah, non, non, c'est pas ce que vous croyez. Si, c'est ce qu'on croit. Je suis désolé, mais tu es un véritable pédobie. Mais c'est juste pour fermer la gueule à cet abruti.